comment réaliser une barre de progression sur Excel. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir activer le module développeur. Donc, pour faire ça, on va dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Ensuite, on clique sur Développeur et on voit cette partie apparaître. Alors, on va créer des petites cases à cocher. Donc, on clique sur le menu développeur, on va dans Insérer, case à cocher, on vient en mettre une ici, efface le texte. Alors on fait un clic droit dessus pour pouvoir le déplacer. Voilà, on l'ajuste. Clic droit et on déplace avec les flèches. Voilà. On vient la dupliquer. Donc je viens cliquer sur la cellule. Je viens l'étendre. Voilà. Donc là on l'a dupliqué. La dernière. Elle ne m'intéresse pas. Alors je vais agrandir ici pour pouvoir cliquer dans les zones, vous allez comprendre pourquoi. On viendra le modifier après, ça c'est pas grave. Donc ici, alors il faut le faire pour tous, je viens clic droit dessus, format de contrôle, je viens dans l'onglet contrôle, cellule liée, et je viens cliquer sur la cellule. Ok, donc ça je le fais pour tous, format de cellule, hop, hop, cellule, hop. Ça c'est fait, alors on voit du texte qui apparaît à l'arrière-plan. Pas grave, vous le sélectionnez, accueil, mettez en blanc, il apparaît plus. Voilà, une fois que c'est fait, on vient fusionner ici et on vient saisir notre petite formule magique, d'accord? Alors la formule, vous vous doutez, c'est moyenne. Et on vient sélectionner nos cellules, on multiplie par 1. Ok, petite formule magique ça. Voilà. Donc ici j'ai 3 sectionnés, donc c'est sur 1. Mais moi je le veux. Ici on va le mettre en pourcentage. D'accord. Et maintenant on va dans ici, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va ajouter une nouvelle règle. Nous, on va sélectionner ici barre de données, choisir une couleur, peu importe. Allez, on va choisir celle-ci. On valide. Et voilà. Ici. Une petite erreur que je fais à chaque fois. On repart. Règle. Pas grave, ça vous arrivera sûrement aussi. Donc on vient double-cliquer dessus. Ici, on vient mettre nombre. Nombre. Et ici, 1. Sur 2. Enfin, mais au moins ça vous permet de voir l'erreur d'où elle vient. Pas oublier de mettre bien les valeurs nombres 0 et 1. Et voilà. Et cette vidéo est terminée.